tous, Mémine et Méminette. Aujourd'hui, on se retrouve en pleine action pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda à Link's Awakening. Et là, vous voyez que je suis en train d'affronter une sorte de boss. En fait, la dernière fois, je suis sorti du donjon en oubliant un passage que je pouvais emprunter. Si vous regardez l'épisode d'avant, vous avez vu que normalement, il y avait un passage que vous pouvez traverser avec le saut à plumes. Je voulais traverser le passage noir, et donc la salle qui était à côté en fait menait à ce boss. Donc je l'ai vu dans ma vidéo et je me suis dit, il faut que je repasse par là. Et il y a peut-être quelque chose. Et j'avoue qu'il est assez résistant le coco là. Ah, quoique non, attends. Non, ça va. Je sais pas ce que c'est. Ça me ramène au début, pourquoi pas. Faut que je vois le reste. Passe comme ça les salles, on n'a pas de respect. Aïe. Hop. Et par là, il y a quoi? Une clé. Évidemment, c'est fermé. Tu dois trouver la clé du boss. Ah, parce qu'il y a un boss. Ah, je me suis dit aussi, on avait fini le donjon, mais non en fait. C'est moi ou c'est Glock par ici? Ouais. Ok. Quelque chose me dit que c'est pas par ici qu'il faut aller. D'accord. Mais alors ça serait où? Eh bien, je vais aller faire un petit tour encore une fois sur la soluce du jeu, hein, m'en voulez pas. Link's Awakening. Plus et pas speedrun comme ils viennent me le dire. Alors voyons voir un petit peu la cave flagello. Ah, donc voilà, il fallait continuer en fait. Revenez en bas, sauter dans le vide pour atteindre la porte fermée ou voilà derrière. Surtout pour un mini boss. Pour vaincre, il suffit de sauter par-dessus. Ouais. Il faut détruire, vous obtenez une paix ainsi qu'un passage entre le début donjon et cette salle. Prenez en haut tout en faisant attention aux deux ennemis qui vous attendent. Au pire, prenez la pluie pour les éviter. Ouais. Dans la salle en haut se trouve le boss. Ouvrez-la, entrez-y. Le boss apparaîtra pour le vaincre. Il faut lui frapper la queue. What? Ce serait pas ce boss-là? Une fois battu, le cœur de vie allant. Pour premier instrument, le violon des vagues. What? Ouais. Et alors? Il manque un truc, c'est pas possible. Ouais, ici donc c'est, ça sert à rien. Oula, est-ce que je suis en train de tourner au fait? Oui, je suis en train de tourner. Très bien. Donc, pardonnez-moi de l'attente. Il y a un truc à faire, c'est pas possible. Une torche à allumer, j'en sais rien. Ok, bon bah je suis mort. Oui, je sais, il y a un truc error field qui va apparaître. Mais ouais. Mais en gros, il se passe quoi là? Globalement, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas la grande clé?
Ah oui, alors il faut que je passe par là. Je suis pas passé par là. Non. Je pense pas que je sois passé par là. Ouais, voilà. Tu as la clé du boss. Tu peux ouvrir la porte de son repère. Ok, bah c'est cool tout ça. Non, tu mourras pas toi. Oups. Je suis fait eu. Donc heureusement l'aventure va pouvoir continuer. Hop. Donc voici ce boss. Un intrus. Le problème avec ce boss, c'est qu'il est assez chiant. Ça fait référence au boss de l'équipe de passe. Quoi, il est déjà mort? Ok. On va pouvoir ensuite aller à la récompense. Tu as le violon des vagues. Et alors? Wow, c'est assez joli quand même l'animation ça. Mais marais. La route mène au marais fleuri. Ok. Donc on doit aller ailleurs ce coup-ci. Ouh, c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. Cet instrument, utilisé avec les 7 autres, a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Collecte les 8 instruments. Je suis ici pour t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones, situé au nord. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que ça se situe où? Monsieur, monsieur, c'est terrible, c'est horrible, c'est des gogos, des momos, des moplins sont venus dans le village. Ils étaient une armée, ils sont sortis, ils sont entrés, oui, c'est ça, ils sont entrés là et ils ont pris le minou. Non, non, ils ont pris tout, tout. Ils voudraient mieux que tu ailles voir ce qui s'est passé. Que ça soit un minou ou un toutou, le devant m'appelle. Ah ouais. Ouais d'accord, ils ont enlevé le chomp. Au secours, quelle horreur. Toutou a été chien-nappé, voilà. Par des moblins. Oh, je t'en prie, va secourir mon toutou. D'accord. Un chien très branché, j'aimerais avoir des accessoires à la mode. Lol. Comme une chaîne? Oups. Il s'est passé un véritable tragédie chez ma voisine en face. Que faire? Moi je ne sais que balayer. Bah ok. Forcément quelque chose à faire. Monsieur, que pensez-vous de Marine? Moi, bah, je ne suis qu'un gosse. Je pense que je lui ai déjà parlé à lui. Hein. Mais bon, je sais que c'est trop lourd pour moi. Et concrètement, là, je vais où? Bah, on va voir ça. Partie de pêche, mon gars, ça ne te coûtera que 10 rubis. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous les responsables? Bah, j'en sais rien.
On va passer ici. Ok. Et on a un cœur en plus, j'avais pas vu ça. Ok. C'est qui? Ce freluquet. Les gars, débarrassez-moi vite de lui. Tu rêves? Oula. Ouais, donc c'est eux. C'est leur faute. On a retrouvé les coupables. Tu es venu chercher Toutou? Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Yaou Minou. Je vais te corriger. Que le combat a l'air simple. Il peut m'enfoncer si je fais pas gaffe. Ok, allez, viens par ici. T'as pas eu ton compte? Ah si. Et un ennemi ça explose, comme on le sait tous. Coucou Toutou. Tu as trouvé Toutou. Il a l'air féroce. On se croirait Luigi, bébé Luigi et bébé Mario dans Mario Kart. Double dash si vous avez le jeu, enfin si vous connaissez la référence. Poisson rêve, ne l'est-il que de nom. On se le trimballe vraiment partout ce truc. Allez viens Toutou. Attaque-les, allez, voilà, attaque-les. Je savais qu'ils pouvaient les attaquer, je sais pas pourquoi mais je me dis que ouais. Allez, allez, allez mon Toutou, allez. Allez. Obéis à ton minou. Ouais, non, en fait, fais ce que tu veux. Quoi? Je vous avais pas dit que j'aimais aussi les chiens? Je suis pas dur, je suis pas difficile, moi. Mais je suis plus chat. Allez. Bien. Bon, maintenant, à moi de m'en occuper. Toujours pas ici. C'est sympa de ramener le chien comme ça. On peut pas l'accrocher? Ah, tu m'as ramené mon toutou adoré. Quelle joie! Et en plus, tu veux aller le promener? Cela m'arrange du fond de mon cœur, merci. Hein? Ah, il nous accompagne? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, mais on fait quoi avec en fait? Tiens, je me demande une chose, est-ce qu'il peut se débarrasser des rochers qu'il y a sur la route? Je dirais pas. Ouais, mais ça fait vraiment trop référence à Mario tout ça.
suis censé l'amener où ce truc? Ouf, creuse. Comment ça creuse? Ouais, je suis un chien, ouais. J'ai des accessoires à la maison, ouais. Creuse. Ah oui, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire maintenant. Vous allez voir. Ouais, bah, je creuse, c'est bon. Mais t'inquiète, je creuse. Tu as trouvé un coquillage. Collecte-en beaucoup pour faire du troc. D'accord. Et j'en ai combien de coquillages? Ok. Eh, pourquoi pas. Par contre, je reprends ma plume si tu veux bien. Donc, faut retourner dans la forêt si j'ai bien compris. Vas-y, mange les ennemis. Voilà. Le champ, il n'en fait qu'une bouffée. Enfin, qu'une bouchée. Bien. Tu fais un bon orbital. Lol. À travers les murs. C'est cheaté ça. Mais il est vraiment Ouhou, ton compagnon a l'air féroce. N'oublie pas, le deuxième instrument se trouve dans le marais. Plateau tartare. Pourquoi pas. Ah mais il rigole pas le champ. Ah c'est le gland, c'est pour éviter de se prendre un cœur de dégâts entier, non? Le marais, c'est par ici, non? Non, c'est pas par ici. Oula. J'ai voulu se faire PSB. Par ici. What? Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ok, je vois pas trop ce qu'on a débloqué, mais bon, c'est pas grave. Merci pour le cœur. Par où le marais? What? Je comprends plus rien, moi. Je
je pige plus rien. C'est pas où le marais. Où que c'est le marais? Eh non, c'est pas par là. Voilà, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je dois faire là? On peut aller nulle part. Ah, il peut carrément le manger lui. Il one-shot tout en fait ce truc. Ah non, non! J'ai voulu sauter. Non mais sans deck. Quand est-ce qu'on va le trouver J'ai pas l'impression qu'on va trouver l'endroit de sitôt. Ouais bah merci, je le sais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Y'a rien ici. Et si on reva là-dedans? Si on reva là-dedans, est-ce qu'on peut pas essayer? Non, y a vraiment pas moyen. Merci, toutou. Bon bah, je pense qu'il va falloir retourner au village. Que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Excusez-moi si je n'ai pas trop parlé. Mais bon. À plus vouloir réfléchir à ce qu'il faut faire, des fois bah on privilégie plus la pensée que la parole. Ouais donc non, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il faut aller. Donc bah voilà, on va se laisser là sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on va se laisser en musique comme d'habitude. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker pour me soutenir et à partager ce que vous avez visionné. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, Mouminou. Wouah! Ouais, j'ai un toutou avec moi, donc on va changer pour une fois. Pour une fois, j'ai bien dit. Hein. Je préfère faire Mia au moins.